Chers amis, bonjour Erevan, la capitale de petite et chaleureuse Arménie. Aujourd'hui, on va vous présenter notre pays et quelques informations intéressantes. Alors, attachez vos ceintures, allons-y. L'Arménie est un pays ancien, qui a une histoire riche et développée. La capitale de l'Arménie est Erevan. Le drapeau de l'Arménie est constitué de trois couleurs, le rouge, le bleu et l'orange. Le rouge symbolise le sang versé par les Arméniens pour la défense de leur pays. Le bleu représente le désir des Arméniens de vivre sous les cieux paisibles. L'orange représente leur envie et motivation pour le travail. Notre monnaie est le dirham. En 301, l'Arménie est le premier État à avoir adopté le christianisme. Bonjour, comme vous le savez, l'Arménie est un pays avec une histoire très profonde, avec ses propres traditions et coutumes. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter certaines parmi ces traditions. Et premièrement, je voudrais commencer par Vartavar, qui est une fête la plus aimée par les enfants. Parce que pendant Vartavar, les enfants s'arrosent. Et même les adultes ne peuvent pas résister à la tension de jeter un verre de l'eau vers les autres. Puis, je voudrais aussi vous présenter une fête d'hiver qui est appelée Trendez. Pendant Trendez, les gens font un grand feu de joie que les enfants et les enfants de survoler. Et c'était ça. J'espère bien que vous avez aimé notre coutume et tradition qui font partie inséparable de notre culture et de notre identité nationale. Il est difficile d'imaginer une visite en Arménie sans se régaler d'une cuisine traditionnelle arménienne. En effet, gagner quelques kilos en plus pendant votre voyage est à peu près inévitable. Cependant, ce qu'on visite l'Arménie vous bien sûr garantirait que la découverte de cette cuisine exquise vaut bien le petit poids supplémentaire. Voilà, commençons. Je vais vous présenter les plats arméniens. Premièrement, c'est le holovat ou le barbecue arménien. Il est impossible d'imaginer une occasion en Arménie sans les fameux holovat. Dans le deuxième plat, c'est bien sûr le tolma. Le tolma est composé de la viande, du riz, de l'oignon, encollé dans les jeunes feuilles et des vignes fraîches. Cet aliment est toujours consommé avec le matzoun. Et aucune fête de Nouvel An n'est jamais complète sans une grande assiette de tolma au centre de la table, bien sûr. Puis, la troisième, c'est la vache. La vache est le pain arménien que les étrangers et les locaux apprécient beaucoup. C'est une pain mince et sur le levain. Troisièmement, c'est bien sûr la vache. La vache est le pain arménien que les étrangers et les locaux apprécient beaucoup. Cette pain est préparée dans un tandoor. Le processus de fabrication de la vache est une partie inséparable de la culture et de la cuisine arménienne. Pour mémoire, la vache, sa signification et son apparence est dans la liste de patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO en tant qu'expression de la culture en Arménie. Et après avoir parlé de la... Non, c'est après avoir... Après avoir parlé des plats savoureux, après avoir parlé de... Après avoir parlé des plats savoureux, il semble que le moment soit venu pour prendre un dessert. Bien sûr, c'est gata, un pain sucré arménien. Gata, c'est la chose la plus recherchée par les touristes. Et enfin, nous vous tous invitons à déguster les plats arméniens variés et délicieux. Merci beaucoup pour être jusqu'à là. J'espère que vous avez bien aimé notre pays et sa histoire profonde. À bientôt.